Bonjour à tous. Bonjour mes amis de Parlons Tabou. Parlons sans tabou. Balobi nangai natia sans tabou po yanga et komi polele polele ko lobana batu sans tabou. Bonjour Gisèle Tshilingi tous les jeudis. Non, jeudi. Aujourd'hui, j'avais dit qu'on allait continuer avec notre émission de jeudi passé, avec comment sortir de ton miracle. Mais j'adapte les émissions aussi par rapport à l'actualité. Nous allons y revenir. Hein. La deuxième partie... de l'émission de jeudi passé est déjà enregistrée. Nous allons y revenir, mais aujourd'hui, je voulais vraiment parler par rapport à l'actualité maintenant de ce qui se passe en RDC, à Kinshasa précisément et tout. Nous avons vu ce qui s'était passé hier avec les manifestations, les casses et tout, les vandalismes par rapport à la loi, les projets de loi que certains membres du FCC voudraient faire voter, que la justice ait un patron, le ministre de la Justice. Baningalanga, nalobapé, comme d'habitude, nalobalinga, la paix na français. Tomoni que Batumingi va réagir, ma bé, et par rapport à Balouawana. Moi, je suis en train de me demander, est-ce que vraiment ces gens sont en train de se rendre compte que aujourd'hui, dans ce pays, nous avons déjà la crise due au Covid, la crise économique, le dollar est en train de monter, et vous voulez maintenant nous emmener dans une situation que la justice, qu'elle ne soit plus indépendante, qu'elle soit gérée par un ministre. Si ce ministre est d'un tel parti, donc il va suivre les recommandations de son autorité morale pour pouvoir gérer la justice d'un grand pays. Non mais, arrêtons. Arrêtons. Arrêtons de jouer avec les Congolais. Oh. Bolingo me mabiso wapi. Bolingo me mabiso wapi. Moi, je suis contre. Personnellement, je ne parle même pas ndenge ya. Non, moi, je suis contre. Et ceux qui n'ont pas participé à la partie Nabiso ANC en tant que présidente il y a ENC, Alliance des élites pour un nouveau Congo. Nous sommes contre. Nous ne pouvons pas marcher dans ce sens. Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi la peur? Nous avons vu pour la première fois dans ce pays, la RDC, qu'on puisse arrêter les gens qui ont détourné de l'argent. Ils ne sont pas les seuls. Et nous voulons que notre justice reste indépendante pour continuer à arrêter toutes les personnes qui ont détourné. Et ce qui s'est passé là, ce n'est que le début. Peu importe qu'aujourd'hui les gens peuvent dire que ce sont des arrestations politiques et ceci. Je dis à chacun la manière de voir les choses. Mais aujourd'hui, il faut que à ta 10 dollars, on t'a vu 10 dollars dans la caisse, va juger, va condamner.
Ça va aider à ce que ce pays ait redémarré. Oh, Azwaki, ceux qui commissionnent, ceux qui nini. Oui, et Zalakanango. Mais il faut qu'on arrête. Parce que ce que Komika, que. Ah, Gisèle Singh, tout c'est Pelaranaïe, Fiouane, tout beau présenté, bisoye. Balé Lingambon, balé Komo, balé Mbon, la Simananga. Vous allez m'excuser, mon téléphone était tombé. Mais, donc c'est pour vous dire qu'il faut qu'on arrête ces histoires-là. Bon, les aléas, il y a direct, mais bon, je continue. Non, moi je voudrais vraiment interpeller nos députés. Vous savez, aujourd'hui, vous allez peut-être recevoir de l'argent pour pouvoir faire passer cette loi, pour pouvoir faire voter cette loi. Parce qu'en vous disant qu'on a reçu l'argent et tout, pour qu'on puisse gérer la justice et tout. Donc, vous pensez vraiment qu'aujourd'hui, FC Sénégalais, s'il était, vous pensez que vous allez être éternel? Non. Non. Ma bolongo na biso kande zanase. Vous savez que Dieu, vous pensez que Dieu n'a pas un dernier mot? Aujourd'hui, vous allez bouffer l'argent. Aujourd'hui, vous allez chercher à ce que pour que Bokonza biso. Mais non. Ce n'est pas le moment de mettre à feu et à sang ce pays. Ce n'est pas le moment. Je demande à ce que vous soyez sage. Je demande à ce que vous soyez sage. Boubandila Kibiso Nano, augmentation des salaires. Boubandila Kibiso Nano que Sénat désinfection $200,000. Si que vous commencez à Kibiso Soussou, la loi. Moko Oezanga Moutou Namakou. Mais finalement, vous voulez qu'on fasse quoi? Vous voulez qu'on se comporte comment? Il faut arrêter cela. Il faut arrêter cela. Le Congolais n'est plus dupe. Le Congolais n'est plus. Il faudrait profiter du Congolais pour faire ce que vous voulez faire. Non. Vraiment, j'appelle le sénateur Kabila. Tire les oreilles à tes moutons, à tes brebis, à tes adeptes. Président Kabila, excusez-moi, Naloba, président, mais président à FCC, pas président de la République, puis ex-président. Vous savez, vous avez quitté ce pouvoir. Les gens, aujourd'hui, les gens encore vous admirent. Moi, j'admire encore que ce pays, les choses se sont passées sans qu'il y ait beaucoup de sang. Ne cherchez pas à ce que ça puisse revenir parce que il y a des zélés qui vous mentent. Nous avons suivi récemment certains pasteurs qui disent qu'ils ont reçu beaucoup d'argent et qui vous ont mal conseillé. Alors, si des pasteurs nous révèlent cela, à combien plus forte raison les gens qui ont été autour de vous? Parce que vous avez vous-même dit que si vous aviez 5, 7, vous êtes même allé à 15 personnes autour de vous, le pays serait autrement. Ça, c'est vous. Mais aujourd'hui, nous croyons et nous voulons faire changer les choses dans ce pays. Nous voulons que le Congolais puisse souffler et vivre autrement. Alors, arrêtons les guéguerres politiques inutiles qui conduisent à mal l'économie de ce pays. Congolais, je voudrais revenir aussi à la date du 23 juin 2019 quand le président avait confié ce pays dans les mains des dieux. Je pense que vous avez suivi la prière qu'il avait faite. Ce n'est pas rien. Cette prière, si vous la suivez bien, je vous demande d'aller sur YouTube, écoutez bien cette prière. Il a remis à Dieu ce pays. Il a dit que tu sois l'autorité suprême de ce pays, la RDC. Prends la place qui t'est due. Nous sommes beaucoup des chrétiens, nous sommes beaucoup des croyants.
Et les grimaces qui se passent maintenant, ce sont les attaques du diable, qui ne veut pas que nous puissions démarrer. Mais nous avons compris cela. Si vous avez compris cela, comme on dit, est-ce qu'on ne peut pas s'arrêter un peu de combattre celui qui a confié ce pays à Dieu? Tout le monde a ses lacunes, tout le monde a ses défauts, tout le monde a ses erreurs. Si vous suivez ce que je vous avais dit le jeudi passé, quand Jésus est arrivé au tombeau de Lazare, a vu Marie et sa suite, Jésus était ému parce qu'il a vu Marie pleurer et ceux qui l'accompagnaient pleurer. Donc ça veut dire que chacun de nous a une part de responsabilité pour sortir ce pays dans l'impasse. Quand Jésus a posé la question, où est-ce que vous avez mis Lazare? Ils ont dit, viens et vois. Ils n'ont pas dit, Jésus, on l'a mis quelque part là, va chercher toi-même. Non. Et c'est ce qui se passe souvent dans notre pays. On dit toujours, il y a ça là, tout à l'aïe. Parce que tout à kanakati à Bible. Tout à kanakati à Bible, ma kamosu les kana. Je ne fais que faire suivre par rapport à ce que j'avais dit la fois passée. Viens et vois. Donc chacun a sa responsabilité. Si nous voulons arriver à un miracle dans ce pays, il y a la part de Dieu. Il y a la part de moi. Il y a ta part. Il y a la part de l'ensemble. Sans ça, ça va être difficile de pouvoir pointer une seule personne pour pouvoir faire les choses. Aimons-nous, moi, ma mission, c'est que mon tounion sotomilingana. La miséricorde de Dieu. Parler de la miséricorde de Dieu. Si on ne s'aime pas, si on ne sait pas, on ne veut pas le bonheur de l'autre, chers députés, chers ministres, chers gouvernants, chers gouvernés, chers Congolais, chers présidents, ça va être difficile. Dans quelques jours, notre pays aura 60 ans d'indépendance. Qu'est-ce que nous pouvons retenir de ça? Qu'est-ce que nous pouvons retenir de 60 ans? J'ai lu quelque part, quelqu'un qui disait, un homme à 60 ans, si cet homme était dans l'état où se trouve ce pays, c'est un homme perdu. Combien des hommes aujourd'hui qui atteignent cet âge-là? Sotolbi ka toza 45, 60. Toza wapi. Professionnellement, maritalement, toza wapi. Au talibobi, ah, vinangai, n'a nulle part, vinangai, c'est échec, hein. N'a pas à jouer. Donc, on recommence à zéro. 60 ans d'indépendance. Qu'est-ce que nous pouvons faire au lieu de critiquer, de pointer du doigt? Qu'est-ce que nous pouvons faire pour dire rattraper le retard? Non, ce sont peut-être les enfants de nos enfants qui vont arriver jusqu'à rattraper peut-être les autres. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que nous pouvons faire? À la sortie de ce confinement, lundi, balobi, des confinements passés les bandits. Durant ces 3-4 mois où on était confinés, qu'est-ce que toi tu as mis dans ta tête pour pouvoir donner aux autres à la sortie de ce confinement? Parce qu'il y a une crise économique qui s'annonce. Qu'est-ce que nous pouvons faire ensemble? Chers Congolais, chers amis, Namukuse, Tolingana. Pour l'amboko qui n'est liboso, Tolingana. Aimons-nous tant qu'on est encore en vie. Aimons-nous tant qu'on est en vie. Vraiment, Nalinga qui n'a pas sa Lelo émission et Zalana par rapport à l'actualité. Mais nous reviendrons vraiment sur la suite. Il y a passage, il y a Lazare parce que c'est vraiment profond. J'en ai parlé encore un peu là. Chers Congolais, si nous voulons vraiment que notre pays sorte à un miracle, chacun de nous doit faire quelque chose. Dieu doit faire. Toi, tu dois faire. Moi, je dois faire. Et les autres, tous à la bomoko, tous à l'ensemble, liboke, pona, tokokakubimisa, Congo Nabiso, et que 60 ans, oyoyo, vraiment, que tout le monde a que, retard, on a tout accumulé qui, ils a rien. En tout cas, je vous dis merci, que Dieu vous bénisse.
Et à jeudi prochain, n'hésitez pas, merci de continuer à m'écrire et de m'encourager. Écrivez-moi une box, merci pour tous vos conseils. Et je vous embrasse très fort, que Dieu vous bénisse. Continuez à vous abonner et à aimer ma page. À très bientôt, je vous embrasse.